rendre la vie du croyant, pour pouvoir rendre la vie du croyant comme il devrait être. Comme il avait déjà des prophètes, et nous, en tant que musulmans, on croit aussi dans tous les prophètes, puisque c'est l'un des piliers de la foi du musulman. Et le musulman aussi, il doit croire en tous ses prophètes. S'il ne croit pas en un prophète, une personne ne peut être musulman s'il ne croit pas en tous les prophètes, qui est différent par rapport au christianisme, qui croit d'une manière différente. Il croit seulement en Issa, Jésus, alayhi salam, qui est pour eux, eux aussi, ils considèrent comme Dieu, mais pour nous, il y a un seul Dieu. Et c'est ce qui m'attire. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. L'islam ne nous enseigne pas à adorer la création et les créatures de Dieu. Il nous enseigne à adorer Dieu unique. Et c'est la chose qui est le plus important pour moi, la monothéisme. Le fait d'adorer le Dieu unique, mais il ne nous enseigne pas à adorer les prophètes. On croit en les prophètes, on croit en les prophètes qu'ils sont des envoyés d'Allah. Mais on devrait adorer seulement Allah, mais pas les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle l'islam, c'est la vie. L'islam, c'est la vie. Il entre dans tous les points de la vie. Et quand on parle de l'islam, on peut dire que c'est la vie. Parce que tout ce qu'on trouve dans la vie, c'est l'islam. Et tout ce qui était dans la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne tout ce qui a un rapport avec la vie. La vie du croyant, comment il devrait être, comment le croyant doit être comporté pour pouvoir atteindre l'au-delà. Et comment aussi il devrait vivre sa vraie vie en tant que croyant dans ce monde ici-bas. D'accord, M. Hussein. Selon toi, la fraternité dans l'islam, comment peux-tu concevoir la fraternité dans l'islam? La fraternité islamique, c'est l'une des fraternités qu'on peut dire qui est extrêmement haut niveau. En parlant de fraternité islamique, si on voit les musulmans, la façon dont nous saluons entre nous, la fraternité nous montre que, en tant que musulmans, nous ne devrions même pas passer 3 jours pour ne pas saluer notre frère. Et c'est la raison pour laquelle la fraternité pour nous est une chose qui est très 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 importante. Et il y a un hadith qui parle de ça, je crois. La fraternité islamique est meilleure que notre fraternité maternelle. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de fraternité islamique, c'est une chose qui est très très importante pour nous. On devrait lui considérer nos frères. Et c'est ça que l'islam nous enseigne. Il nous enseigne de rester en fraternité, de ne pas lâcher prise et de continuer dans la fraternité, dans la vraie guidance et ensemble pour donner l'exemple à des musulmans et aussi à ceux qui n'ont pas musulmans. C'est avec la fraternité qui montre la valeur et l'importance de l'islam. Et avec la fraternité islamique, la manière dont nous comportons en tant que frères, qui va donner des exemples à ceux qui ne sont pas des musulmans. Et c'est l'une des influences qui m'attire aussi. C'est la fraternité islamique, l'une des influences qui m'attire aussi, moi, à être musulman, à devenir musulman. C'est à cause de la fraternité islamique. Quand je regarde comment les musulmans se comportent, et moi aussi, j'ai dit que, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi aussi, j'ai dit pourquoi pas? En regardant comment la fraternité islamique est très importante, moi aussi, j'ai dit pourquoi pas? Je ne suis pas un musulman. Puisque il nous enseigne, il nous montre que c'est différent par rapport avec les autres. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la fraternité est une chose qui est très importante. C'est la raison pour laquelle on devrait rester ensemble dans la fraternité pour l'avant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, pour terminer, M. Hussein, vous pouvez nous parler sur les 5 Corans et les jeûnes en islam? Oui,
Le Saint-Coran, c'est le livre sacré, c'est le dernier texte que Allah nous a envoyé à travers l'archange Gabriel, en intermédiaire avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le dernier livre saint que Dieu nous a envoyé. On peut dire aussi que c'est le dernier ordre de Dieu pour l'humanité. Puisque après cela, il n'y aura plus un autre ordre qui va venir pour l'humanité. Puisque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète que Dieu nous a envoyé en tant qu'humain. Le Coran nous enseigne tout ce qui a un rapport avec l'au-delà, tout ce qui a un rapport avec l'au-delà ainsi que le bas-monde. Le Coran nous apprend comment à vivre en fraternité, comment à vivre en famille. Le Coran a parlé de tout ce qui a un rapport avec la vie d'une manière générale. Il nous apprend tout. Il nous apprend tout sans manque. Et c'est la raison pour laquelle le Coran, c'est notre livre à ne pas délaisser. Il faut lire correctement et il a été descendu, il a été révélé en langue arabe. Et chaque musulman a pour devoir de l'apprendre comme il est. Et à propos du jeûne? À propos du jeûne, le jeûne, c'est l'un des piliers de l'islam que chaque croyant doit accomplir pendant chaque année. C'est l'un des piliers de l'islam que chaque croyant doit accomplir pendant chaque année. Le jeûne nous rend patients, puisque quand on jeûne, on passe une période de temps à s'abstenir de boire de l'eau, à s'abstenir de manger. Ça, c'est un sacrifice extraordinaire qui aide le croyant à avoir la patience, qui aide le croyant à avoir le courage et qui aide le croyant à se mettre comme les pauvres, à se mettre dans la place des personnes qui n'ont pas pu trouver la nourriture pendant une journée pour nourrir. Le jeûne nous rend et nous donne la sensibilité en tant qu'humain. Et il nous apprend aussi à être un homme fort, à être un homme qui est capable de résister pendant une longue période sans avoir mangé et sans consommer de l'eau aussi pendant une journée. Et le jeûne aussi, il nous montre à être patient pour la nourriture. Et c'est être patient pour la nourriture et de boire de l'eau, si on pourrait passer pour ces choses-là, eh bien, on pourrait passer aussi pour toutes les choses et qui vont arriver, les difficultés, les autres choses qui pourraient arriver dans notre vie d'ici-bas. C'est ça le jeûne nous enseigne. Et en jeûnant, le croyant lui-même, il se met dans une situation de sacrifice, puisque c'est pas facile, à s'abstenir de l'eau et de la nourriture pendant une journée, ce n'est pas une chose qui est facile. On se met nous-mêmes dans une situation difficile et sacrifier et nous sacrifier pour la gloire et pour l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à propos du péché, le croyant, lui, il doit se préserver du péché. Il doit se préserver du péché. Et il doit se préserver du péché à cause le fait de faire des mauvaises choses, le fait de pratiquer l'illicite et laisser l'illicite, ce sont des choses qui nous emmènent en enfer. Et le croyant, le musulman, est celui qui lutte pour ne pas aller en enfer. Le croyant, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de sacrifices, par exemple les jeunes, et comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le fait de faire des sacrifices, il faut que les sacrifices que nous faisons ne soient pas en vain. Et si nous faisons des sacrifices, et à cause de ces sacrifices-là que nous faisons,
Il y a une chose très très importante que nous cherchons, c'est gagner, c'est obtenir le paradis. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que croyants, nous devrions faire tout ce que nous pourrons faire pour pouvoir atteindre le paradis et de ne pas risquer. Oui, à propos du péché, le musulman, lui, il doit faire tout ce qu'il peut pour s'éviter du péché, pour s'éviter de l'illicite et pratiquer l'illicite. Et c'est la raison pour laquelle, et si j'ai un conseil à donner, par exemple, aux Turcs, parce que quand je viens en Turquie et je vis des gens qui sont nés musulmans, mais qui délaissent la prière,